Hello les joueurs, vous êtes bien sur xboxlive.fr, c'est SnakeX, c'est le stat. Salut tout le monde. On se retrouve pour le test de Call of Duty Modern Warfare. Alors pas le vieux. Pas le 4 non plus. Il faut pas le dire. 3, pas le 2. 2, voilà exactement. Il faut Modern Warfare, mais pas le premier. Exactement. C'est dur à expliquer quand même. Pourtant il y a des, personnages voilà. Qu'on retrouve hein, d'ailleurs des autres. Hein, mais... Voilà, mais c'est Modern Warfare, mais pas un remaster, mais c'est quand même Modern Warfare. Exactement. Et bon, c'est bref, toujours Activision. C'est Modern Warfare 2019. Voilà, tout à fait. Qui est sorti donc le 25 octobre 2019. Pour le plaisir de tous. Sur toutes les plateformes qui font de la next-gen. De la gen actuelle, exactement. Donc Xbox One, PlayStation 4. Et Windows. Et voilà, et PC. Tout à fait. Donc un jeu qui est développé toujours hein, par Infinity Ward et édité par Activision. On vous a lancé un peu de solo. Sledgehammer aussi qui est dans le lot. Ah oui, tout à fait. On vous lance le solo, on va passer la cinématique et un niveau en fait qui est le deuxième niveau du jeu pour pas trop vous spoiler, mais qui donne le ton. Il a tout à fait le temps. Déjà, bon, alors ce qui est sympa, c'est qu'on a joué zone. Voilà, là, on est dans la nuit, c'est assez sympa. C'est bien filmé, je trouve. C'est extrêmement bien filmé. Les acteurs jouent plutôt bien. D'ailleurs, la campagne solo est très très agréable à vivre. Ouais, là, je crois que tout le monde est relativement unanime là-dessus. Okay. Le solo, il est juste au top. Ah, c'est, en plus, il dure parce qu'on peut prendre son temps. J'ai mis bien 8 heures à le finir, en refaisant certains choix moraux à des moments. Il y a des choix. Alors qu'avant, on était plus sur du 5-6 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Et oui, ils ont rajouté un peu, effectivement, et c'est plutôt pas mal parce que l'histoire, en plus, c'est bien prenante et extrêmement réaliste, comme vous allez pouvoir le voir d'ailleurs. Dans cette mission, mais peut-être trop réaliste. Ouais, c'est un peu too much en fait. C'est la question qu'on peut toujours se poser de savoir à quoi ça sert de jouer dans un jeu qui se passe malheureusement dans la vraie vie. À savoir que là, en gros, c'est un groupe terroriste qui est plus ou moins financé, piloté par les Russes. Attention à ce que je vais dire parce qu'il y a toujours polémique là-dessus qui fait des. Voilà, qui cause des attentats, et notamment là, un attentat en plein centre de Londres. Et vous allez voir à quel point c'est extrêmement réaliste. Et donc. Réservé à un public très très averti, hein. Pas à mettre en compte toutes les mains. Hein. Franchement, le jeu est ultra violent avec des travers parfois qu'on retrouve des autres Modern Warfare, notamment des scènes de torture et de tuerie de masse en fait, hein, comme celle-ci. Hein. Enfin, voilà. On rappelle que le jeu est conseillé au moins de 18 ans. Non, il est interdit, je crois. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction, tu as raison. C'est un code d'âge. On va dire conseillé. À noter d'ailleurs qu'il peut paramétrer pour ceux qui sont parents ici, on peut paramétrer dans sa console le niveau de PEGI des jeux du compte de son enfant. Et pouvoir les bloquer. Hein. Et typiquement, si papa joue à Call of Duty, le fils sur son compte ne pourra pas y jouer. Ouais, et ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que vraiment, le jeu n'hésite pas à montrer des meurtres d'hommes, bien sûr, de femmes, même d'enfants à certains moments. Même si les morts des enfants sont suggérées, on comprend quand même très nettement que les gamins meurent. Et donc c'est voilà. Ah, c'est violent. Ah, c'est extrêmement violent et même les héros en fait sont amenés à poser des actions que la morale réprouverait. Un peu la Jack Bauer. Hein. De toute façon, c'était déjà le cas auparavant, mais là c'est encore plus marqué. Tiens, prends le sniper, on va pouvoir parler un petit peu du moteur graphique. Du coup, qu'on va pouvoir aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on pense toi? Ah bah écoute, moi je trouve ça plutôt super joli. Il y a vraiment, enfin, on sent que le moteur évolue au fur et à mesure du temps. Mon petit bémol reste comme sur la modélisation des voitures, on dirait des statues en plastique. Mais pour le reste, dans l'animation des personnages est vraiment bien foutue, les éclairages aussi. C'est vrai que Call of Duty a toujours eu cet aspect un peu carré. On le retrouve un petit peu, mais quand même bien moins que sur les précédents. Donc le moteur s'améliore. Et puis là, on est quand même dans un jeu qui propose différents univers. Ouais, exactement. Et puis des univers en plus plus ou moins ouverts, puisque plus tu avances dans l'émission, moins les univers sont fermés. Et tu te retrouves notamment dans des. Après, quand tu vas être en Urzistan, pardon, parce que moi j'arrive pas à le dire, en fait c'est pas l'Afghanistan, mais presque, hein. Tu te retrouves là-bas, tu as des mondes avec des différents passages en fait, ce qui va se retrouver dans le multi. De quoi de ma mort honteuse là ici. Non, je vais redescendre dans la rue, je suis plus à l'aise avec la calache en fait, ou avec une grosse mitraillette. Ouais. À noter d'ailleurs que la diversité des niveaux se paye en termes de téléchargement. Oh là, oui, tu veux parler tout de suite de la douloureuse qui fait très mal et des 120 gigas à charger. Exact. Alors même que tu as acheté le jeu en physique d'ailleurs. Hein. C'est ça. Le jeu pèse 120 gigas. De toute façon, le bourreau ne peut pas accueillir 120 gigas. Non, exactement. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, et puis, c'est directement affiché sur la pochette du jeu. Hein. Requiert un téléchargement de contenu. Alors, on est au-delà du téléchargement de contenu à 120 gigas. Ah ouais, sachant qu'en fait, c'est hyper rageant parce que quand j'ai acheté, enfin, quand on a reçu le jeu et qu'on l'a installé,
Il a donc installé le CD classiquement, enfin le Blu-ray pardon, classiquement sur la console. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir commencer à jouer. Eh ben non, il faut que tu télécharges le pack campagne 1, le pack campagne 2, le pack multi. Voilà, c'est donc c'est un, on se demande en fait Pac-Man. Le ouais, on se demande pourquoi est-ce qu'ils m'ont collé un Blu-ray. Bah ouais. Après ouais. Oh, il a bien avoir trois fichiers qui servent quand même. Oui, oui, bah surtout bah, si, le Blu-ray c'est pour la licence. Oui, c'est... il faut qu'il soit dedans pour faire fonctionner le jeu. C'est ça, exactement. Mais bon, en fait, ce qui est lourd, c'est que ça va. Enfin, avec la fibre, maintenant, c'est plus long d'installer le jeu depuis plus que de le télécharger. Quoi. Par contre, je pensais que tous ceux qui sont en cuir, ils ont la DSL, Ah, bah là, c'est ça. Là, parce que là, les bagnoles. Parce que là, autant l'acheter en démat et. Autant l'acheter en démat et le pré-télécharger avant de lancer. Ouais. Alors, ce que je propose là, c'est qu'on va finir le solo là-dessus pour voir l'introduction sans mauvais jeu de mots d'une des stars en fait de Modern Warfare et voilà hop, qui arrive dans la lumière. Ah là, je m'imagine. Ouais. Vous êtes armé. Voilà Price que tous les anciens de Modern Warfare reconnaîtront avec sa barbe bien à lui. Price, le José Bobé du Call of Duty. C'est ça, le SAS particulier. Ouais, je vais couper là parce qu'on va. Le SAS des champs. Ouais, exactement. On va couper là parce qu'il y a une scène particulièrement choquante avec un otage qui a une ceinture d'explosifs. Je vous laisserai regardez la méthode de règlement des conflits qu'utilise le capitaine Price. Voilà. Alors là, on va aller dans le mode multijoueur avec tous les modes classiques que vous connaissez. Un menu qui permet de personnaliser l'équipement. Voilà. Déjà. Et qui est plutôt bien foutu. Ouais, un peu mieux que les précédents. Alors, bien sûr, plus ergonomique. Plus vous jouez avec une arme, plus vous débloquez d'accessoires. Plus vous augmentez de niveau, plus vous avez accès d'armes. Des nouvelles armes. Des nouveaux bonus divers et variés. Des nouveaux atouts qu'on retrouve. Alors, sachant que moi, je me suis mis en mode spécial. Le mode spécial, en fait, je n'ai plus d'atouts comme des bombardements, des tourelles, etc. En fait, je me rajoute avec mes séries d'élimination de nouveaux atouts qui viennent me renforcer. D'accord. Ouais, c'est un choix. Voilà. Non, mais c'est bien. Ça permet à chacun d'y trouver le gameplay qu'il préfère. Donc, bon, les skins hein, en mode voilà, opérateur. Les gentils, vas-y. Les pas gentils. Voilà, la coalition. La caserne avec les défis, l'identité, vous faites votre tag, etc. Et le mode où je vais lancer en fait, ma partie rapide, sachant que juste je monte 2 secondes. On a en fait un mode réaliste où il n'y a pas d'ATH et où ça tue tout de Madame suite. Madame réaliste d'ailleurs. Voilà, exactement. Le mob sheet qui est plutôt pas mal en fait, à 6 contre 6. C'est très rapide, très... À noter quand même qu'on précise, tous ces modes-là sont jouables en cross-platform. Ah oui, exactement, ouais, tout PS4 à fait. PS4 et PC. Exactement. Donc non seulement le jeu est disponible sur PS4 et PC et Xbox One, bien évidemment, mais tout le monde peut jouer ensemble, sachant qu'il est, il est possible de filtrer les joueurs PC pour ceux qui auraient tout un peu peur des experts du souris, du de la souris du clavier. Exactement. Ah tiens, tu peux acheter un pack à 9€, regarde, magnifique. Ou pas, je reviens pendant le chargement. Pendant la recherche de partie qui d'habitude est assez rapide, vous pouvez en fait continuer à paramétrer, activer des jetons d'XP d'ailleurs. Je te coupe juste, voilà, c'est intéressant. On voit les joueurs Xbox, donc là en l'occurrence on a 2 joueurs niveau 32 et 54, et le reste on voit des petits écrans à la place. Donc là ça peut être aussi bien des joueurs PC que des joueurs PS4. Tout à fait. C'est vraiment pour pas marquer le logo de la concurrence. Ah bah tiens, bah, ça tombe bien, on va avoir une autre carte que Piccadilly, qui est une des cartes multi en fait. Hein, voilà. Mais Saint-Pétrograd. Exactement. Qui n'est pas Saint-Pétersbourg, c'est Saint-Pétrograd. Voilà. Allez. C'est Saint-Pétersbourg quand même. Alors on est dans quel mode de jeu là ? On est en match à mort par équipe. Bon, c'est le mode classique, sachant que ça va nous permettre. Alors je vais mourir honteusement, hein, parce que alors là, parler et jouer au multi en même temps, bon courage. Sachant qu'en fait, dans ce jeu, vous avez maintenant en fait un mode. C'est bien, pour moi tu auras fait un frag. Voilà, exactement. Pour la vidéo. Pour la postérité. On a un mode à la Battlefield. Ouais. Guerre terrestre. Exactement, jouable. À 64. Et ouais, et alors je peux vous dire, c'est la PRTOUZ2. Ah bah non, il n'y a que des adultes qui regardent. C'est la grosse partouze à l'écran. Hein. Franchement, c'est. Voilà. Hein, de toute façon, la vidéo est interdite au moins de 18 ans. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, maintenant, YouTube l'empêche, ça. Hein. Attention, ouais. Il faut le signaler. Donc, effectivement, le mode guerre terrestre avec des véhicules, avec des points à capturer sur la carte. Du Battlefield. Alors moi, j'y ai joué 4-5 fois déjà. C'est pas le mode que je kiffe le plus. Hein. Parce que c'est la nervosité du Call of Duty, donc on meurt tout de suite très vite, et en plus de ça, en fait, on est 64, donc je vous raconte même pas comme ça flippe dans tous les sens, et j'avais des gros lags pour l'instant. Alors je sais qu'ils sont en train de sortir des patchs, ils travaillent vraiment là-dessus, toi, mon gars, voilà. Bim ! Voilà, dans ta face. Ah, mais t'as pas réglé... Ah oui, d'accord, ok, excusez-moi. Ah, oui.
comment il m'a attendu, il m'a aligné, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, mais en même temps, la manette que j'ai dans les mains n'est pas ma manette à moi, et les sticks sont pareils. C'est pas grave. Allez, hop, on continue. Je trouve une excuse. Ouais, je me trouve une excuse, mais bien entendu, attends, vous savez bien que de toute façon, pour jouer à Call of Duty, il faut être de mauvaise foi, sinon on n'y arrive pas. A noter que pour les autres modes de jeu, on peut jouer jusqu'à 20 joueurs. Ouais, exactement. Ça dépend des modes. Il y a un mode qui est hyper sympa où vous êtes en fait en 3 contre 3, qui est vraiment top parce qu'en gros, tu es en 3 contre 3 et tu commences juste tout le monde au pistolet. Après, une fois que tu as joué au pistolet, bah, ton change d'arme, c'est mitraillette et après fusil à pompe. Donc c'est franchement bien fichu comme mode de jeu. C'est bien, bien rigolo. Hop. Et puis il y a la disparition d'un mode que les joueurs pourtant adoraient. Le mode zombie. Exactement. Vous ne vous ferez moi, pas. Moi, j'adorais pas. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas. Espèce de mode horde. J'étais coopératif, mais bon, t'as intérêt à jouer avec des potes qui veulent vraiment la jouer coopérative. Ouais, c'est ça, ouais, bref. Oui. Et. C'est certain. Ouais, bon, je pense qu'ils avaient fait le tour du mode. Bah, c'est peut-être pour ça. Ou alors, ils sont revenus leurs premiers amours et. Ça fera l'objet d'un DLC, hein, parce que c'est possible aussi, hein, ça. Tout est possible. Donc voilà, en gros, pour résumer, c'est alors, peut-être le Call of Duty le plus complet. Hein. Le plus complet, le plus abouti. Ouais. Tant en solo qu'en multi. Ouais. Donc si on doit noter, enfin si on peut pas noter, mais si déjà on doit relever les points positifs, je pense que le moteur. Ah là techniquement, c'est franchement. C'est franchement toujours de mieux en mieux et la variété des décors, ils maîtrisent quand même leur sujet. Parce que moi j'ai un peu hurlé pendant que tu parlais, tu as raison. On peut aussi parler de l'aspect sonore. Ah ouais, alors la bande son elle est dantesque. Franchement, on en prend plein les oreilles. Pour jouer très très souvent en 7 points à la maison dans le salon, je fais hurler toute la maison. C'est vraiment le jeu là-dessus, il est dans les plus. La clé mort qui va bien. Un mode campagne qui est difficilement critiquable. Ouais, non, le mode campagne il est extrêmement efficace. S'il est critiquable, il peut être critiquable d'un point de vue moral. Voilà, on va dire ça. Ok, ça. Mais il faut savoir ce à quoi vous allez jouer, mais ça fait partie du. C'est leur parti pris, quoi. Le multi, toujours maîtrisé par Acti. Ah bah par les studios d'Activision. Là, c'est top. Hein. Le multijoueur, il est vraiment, vraiment bien. C'est du classique. Alors, vous pouvez vous monter en niveau. Hein, vous atteignez des rangs maîtres, etc. Après, enfin, vous savez que quand vous avez atteint les différents niveaux maximum, ça repart à zéro avec différents paliers, etc. Donc, vous êtes... Oh mince, j'ai fait n'importe quoi, là. Voilà, j'étais concentré dans ma phrase. Voilà, vous en avez vraiment pour votre argent en multi. Et d'ailleurs, le jeu, il est extrêmement joué. On a pour son argent. Et puis, il y a une rejouabilité qui est quand même assez énorme. Ah bah là, je peux y jouer des mois. Hein. Ah oui. Et puis, tu peux y jouer des mois. Tu peux y jouer avec tes potes, créer ton clan, te rejoindre, inviter tes amis, rejoindre les parties. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, franchement, j'ai retrouvé plaisir à jouer à Call of Duty. Voilà, tout simplement. Que j'avais abandonné hein, pour du Battlefield. Bah un peu pareil que toi. Sachant que on est vraiment sur un truc qui est complet. Tu me demandes pas une note, on s'en fout là. Bah non, voilà, c'est pas je fais n'importe quoi. Donc, moi je rajouterais aussi une amélioration de l'ergonomie du jeu. Dans quel sens? Les menus, c'est les ça? Les menus, ouais, c'est vrai. La configuration des armes, de son voilà, de ses différents profils d'armement. Dans les points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, franchement. Bah, mis à part, il y a le côté moral, ok. Ouais, bon, mais est-ce vraiment un point négatif, quoi. C'est ça, le truc. Chacun sera. Voilà, jugera. Ça dépend on va dire. Voilà, chacun jugera, et puis ça dépend de l'âge à lequel vous autorisez vos enfants à jouer, et autant vous dire que. Faites gaffe. Non, mais les enfants peuvent pas y jouer, c'est clair. Ça dépend ce qu'on appelle enfant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Même un ado, hein, faut quand même du recul. Hein. Par si dans le point négatif, quand même, la quantité de données à télécharger, surtout pour ceux qui ont des petites lignes. Bah ouais, c'est ça c'est quand même disons qu'il faudra. Il faut arrêter de vendre le jeu en Blu-ray quoi. Il y a un mec qui s'amusait avec une grenade. C'était assez rigolo. Hop. Donc, une note sur 10. Ah, j'hésite entre le 8 et le 9 moi. Ouais. Ah, j'ai vraiment été emballé. Hein, parce que ça va pas du mieux. Ah non, mais allez, parce que c'est le renouveau du truc, on se met un petit 9 quand même. Un gros 9 on va dire. Allez, je valide le 9 avec toi. Ouais, bah, en même temps ça tombe bien parce que c'est du 9. Là, c'est pour ça. C'est pas du jeu. Exactement, tout à fait. Allez, on va se quitter sur ce frag honteux que je viens de faire, je pense, non? Non, t'as envie de me voir souffrir encore un peu, tu veux faire durer le plaisir, non, c'est ça? Non, c'était un superbe frag. Bah, attends, là, si tu as pas de non, je fais n'importe quoi parce que. Ah non, bah, tu peux mourir, s'il te plaît? Ouais, attends, je vais mourir, je vais foncer, voilà.
Ah non, c'est juste à la fin de la vidéo que ça commence à être pas trop mal. Les armes sont bien équilibrées. Oh là 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 là. Voilà. Allez, on peut mourir là-dessus. Les armes sont pas trop mal équilibrées en plus. Voilà, vous trouvez un petit peu tout ce qui fait le sel, les shotguns, les key one shot, etc. Enfin bref, les habitués de la licence comprendront qu'ils vont prendre leurs pieds en multi. Voilà. Bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du jeu, parce que ça nous intéresse aussi. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau test et une nouvelle vidéo sur xboxlive.fr. A bientôt tout le monde, bye bye. Allez, ciao.